Je bénis le Seigneur pour votre vie. Permettez que je rende cette cantique d'adoration spéciale en l'honneur de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Comme toi, Seigneur. Oh. Oh, éternel, il est comme toi, Seigneur. Oh, éternel, qui est comme toi, Seigneur. Oh, éternel, qui est comme toi, Seigneur. Parmi les dieux, qui est comme toi, magnifique dans cette vie, Dieu de l'ouvrage, opéra des miracles, alléluia, alléluia. Parmi les dieux, qui est comme toi, magnifique ta sainteté, Dieu de l'ouvrage, opérant des miracles, alléluia, alléluia. Amen. Prions. Seigneur Jésus, Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob, Dieu très très saint, Dieu qui règne d'éternité en éternité, Dieu qui répond par le feu dans le buisson Adam, le quatrième homme dans la fournaise Adam, Dieu devant qui tous les genoux fléchissent au ciel, sur la terre, dans le sous-sol. Seigneur, nous inclinons nos cœurs devant toi ce soir pour te lever, pour te magnifier, pour te bénir ton Saint-Nom. Seigneur Jésus, Papa, comme un bon berger, tu nous as encore regroupés ce soir autour de toi pour nous donner de la bonne nourriture. Seigneur Jésus, Papa, nous sommes disposés. Nos cœurs sont disposés pour recevoir tout ce que tu as à nous dire ce soir. Seigneur Jésus, dis un mot pour nourrir nos âmes. Seigneur, dis un mot, Papa, pour guérir nos âmes. Seigneur, dis un mot, Seigneur Jésus, pour restaurer nos âmes. Papa, nous sommes vraiment contents de ta grâce dans notre vie parce que beaucoup cherchent ces choses que tu nous fais. Mais ils n'ont pas eu cette grâce. Alors, Seigneur Jésus, nous te prions, Papa, que par tout ce que tu vas nous dire ce soir, Seigneur, que nos âmes soient édifiées. Amen. Seigneur, assiste-nous. Seigneur, nous prions que tout esprit de trouble, tout esprit de distraction en ce lieu soit ligoté. Amen. Et jeté dans les abîmes. Amen. Seigneur, viens régner en ce lieu. Amen. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. 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 Acclamez pour le roi. Le roi, assistez-nous à François. Acclamez pour le lion de la tribu de Juda. Le roi, assistez-nous. Acclamez Amen.
Peuple de Dieu, asseyez-vous confortablement. Alléluia. Amen. Je bénis le Seigneur. Pour votre vie. Nous permettons. Pour votre persévérance. Nous permettons. Alléluia. Amen. Je vous le dis en vérité, vous avez choisi la bonne part. Vous avez choisi le meilleur côté. Vous avez fait le meilleur choix. Le choix d'être dans le troupeau de Jésus-Christ. En ce moment où le monde est perdu, le monde cherche ses repères et il ne trouve pas. Mais vous, mais nous, Jésus-Christ est notre repère. Jésus-Christ, oui. Acclamez encore. Et nous sommes dans la boîte. Mais voici que Jésus. Alléluia. Amen. Le monde cherche l'équilibre. Parce qu'il a su un seul béquille. Et il suffit seulement d'un coup de pouce pour que le monde tombe. Alléluia. Amen. Chaque jour, le monde devient de plus en plus fragile. Parce que tous les éléments qui peuvent maintenir le monde debout, chaque jour, ces éléments sont fragilisés par les hommes. Bon, la méchanceté des hommes, la rébellion des hommes, l'incrédulité des hommes, la dureté de cœur des hommes. Alléluia. Amen. Et quand Dieu regarde sur la terre, il ne voit que les ténèbres. Mais dans ces ténèbres, il voit de petites étoiles qui scintillent. Alléluia. Et ces étoiles qui scintillent, c'est toi et moi. Gloire à Jésus. Alléluia. Amen. Et c'est à cause de ces étoiles que nous sommes qui n'a pas encore renversé la terre. Alléluia. Amen. Avant qu'il ne détruise la terre, il doit ramener vers lui ses étoiles. Et c'est pour nous préparer à ce grand événement qu'il a lancer ce réveil. Ce réveil qui est en train de bousculer le monde actuellement. Le monde des ténèbres a peur. Il ne peut pas imaginer que dans ce monde rempli de ténèbres, des gens peuvent découvrir la lumière de Jésus jusqu'à s'accrocher à cette lumière. L'ennemi ne peut jamais imaginer ça. Mais Jésus-Christ l'a créé. Gloire à son Saint-Nom. Donc ce que je vais vous demander, c'est que ne permettez pas que quelque chose vous détache de cette lumière.
ni clamé de vos nous fortifiez vous nous. Encore et encore dans le Seigneur mi do dans la main ou mi de do à coup nommé persévérez encore et encore mi bétando nous aïrons bétando et sachez que votre délivrance, notre délivrance est à portée de main. Botro, quand tout miton, écoute à l'ONU. Le monde peut nous haïr. Ben aussi, ben ou anoumi. Le monde peut nous rejeter. Ben aussi, des mirovo. Le monde peut nous traiter de fou. Ben aurait naïro, miro tarouno. Le monde peut nous lapider. Ben aurait naïro, wadoumi. Le monde peut nous traiter avec toutes sortes d'ignominies. Mais nous avons l'assurance en Jésus-Christ. Jésus-Christ est notre assurance tout risque. Jésus est notre appui. Jésus est notre bouclier anti-missile. Et nous ne craignons rien. Bon, récit, déboussant de mia. Rien ne nous fait peur. Nous déboussons quoi? Quoi de nous mia? Alléluia. Amen. Nous sommes sur le chemin étroit. Mido, allez, glon, dit, allez, pèvio, dit. Chaque jour, ça se rétrécit encore. Bon, aïe, allio et clou ça se rétrécit se rétrécit ça devient encore de plus en plus difficile. Bon élève vers où tu as la bonne et sur le chemin allio il y a des pots de banane. Ah nous il a remédi di ben ajaile yo et là et là ils vont faire glisser certains. Bon il a allio di bon avec il y a des épines. On l'air à l'yodi. Pour piquer des gens. Il y a des roses. Nous. Il y a des cailloux. Ah oui, on l'air à l'yodi. Il y a de la boue quelque part. Baba, là, l'yodi. Au filet. Tout ça là. Et il y a même des trous. Tout l'air à l'yodi. Sur le même chemin. Pour aller pour l'énergie. Et comment pouvons-nous passer ce chemin? Bon, nemi kanamle alieni bon. Si nous n'obéissons pas à notre maître. Bon, nous croyons que nous mitondo mi mando tobro de dia. Si nous n'obéissons pas à notre berger. Bon, mi mando tobro de dia. Comment pouvons-nous marcher sur ce chemin là? Nemi na son bon alieni. Nous aurions bien voulu. Et Dieu rien a dromi boya. Mais nous pouvons rater. Et rien a dromi faire bon mi kana gwan pana. Donc notre devoir c'est d'obéir à la voix du Seigneur. Si le Seigneur dit allez à gauche, sachez que à droite c'est qu'il y a un piège là. Et si le Seigneur dit allez à gauche, et vous titubez pour aller à droite. Bon, mi de mi sienta. Et tu tombes dans un piège où une peau de banane te glisse. Ou l'épine te pique. Tu vas accuser qui? Tu vas dire ah, le Seigneur ne m'a rien dit. Oh, lui il te dit va à gauche. Il a dit à Abraham, marche avec intégrité devant ma face. Alléluia. Amen. Marche avec intégrité devant ma face. Ne penche ni à gauche ni à droite. Parce qu'il sait que à gauche, à droite, il y a des pièges. Mais il est droit. Et donc nous sommes derrière lui. C'est lui qui est devant. Donc nous devons suivre ses pas. Nous devons suivre là où il met ses pas. Nous mettons nos pas devant dans ses pas. Fier soit fort de yo mina soit fort ton les demain pour ne pas tomber. Quand nous mina jaya. Je vous le dis en vérité en vérité. Nous donnons mille nous bomen bomen. Je vous le dis en vérité en vérité. Nous donnons mille nous bomen. Et je crie encore de toute ma force.
Dieu. Le monde va à la perdition. Le monde va comme ça à la perdition. Et ceux qui n'ont pas Jésus, il n'y a aucun espoir pour eux. Il n'y a aucun espoir pour eux. C'est seulement ceux qui ont Jésus là. C'est notre seul espoir. Jésus, à des moments donnés, je me dis, s'il faut même que c'est que je sois seulement en train seulement de l'adorer jusqu'à ce que la trompette sonne comme ça. Nous travaillons. Mais nous devons rester concentrés sur lui. Je vous dis, que votre cœur ne se détache de Jésus une seconde de votre vie. Mais je vous dis, même une seconde, si ton cœur se détache de Jésus, se déconnecte de Jésus, c'est-à-dire, si Jésus, si tu perds la connexion de Jésus une seconde, bon nous. C'est fini pour toi. Je te dis la vérité. Nous sommes dans un monde de plus en plus dangereux. Et chaque jour, le danger change de couleur et de forme. Le diable étend ses filets, filets partout. Amen. Son filet ne peut pas vous atteindre. Amen. Alléluia. Amen. Il ne peut pas vous capturer. Amen. Mais je vous préviens, amen, pour que vous ne soyez pas capturé, amen, on soit imitant nous dit, vous devez rester. Vous devez rester. Sur le chemin. Vous devez rester droit. Je vous le dis en vérité. Nous allons lire 2 Timothée 3. 2 Timothée 3. Quelqu'un a trouvé? T'as le noir comme ça, avec petite écriture comme ça. Bon. Non, je vais le dire. 2 Timothée 3. Oui, 2 Timothée 3. Verset 1. Oui. Sache que dans les derniers jours, yes, il y aura des temps difficiles. Ha! Ça, c'est apôtre Paul qui exhorte Timothée à faire attention. Mais mon fini. Si les événements de la fin des temps. Et il lui donne des indices. Sur tout ce qui va se passer à la fin des temps. Et nous sommes bien sûr dans cette fin d'état. Certains peuvent se demander, mais apôtre Paul a prononcé ce discours il y a 2000 ans. Donc nous sommes à la fin d'état depuis 2000 ans. Si ne raisonnez pas avec comme des incrédules. La Bible nous a dit pourquoi Dieu a retardé la fin
des choses. C'est parce que ton nom est écrit au ciel. Et il faut que tu écoutes l'évangile. Et il faut que tu te donnes pour être compté parmi les invités au festin de noces. Si la trompette avait déjà sonné depuis 2001, tu ne serais pas parmi ceux qui pourront hériter là-bas. Tu seras où? Je ne sais pas. Oh, dans le plan de Dieu, toi aussi tu dois être à table le jour là. Donc si Dieu n'a pas encore sonné la trompette depuis 2000 ans, c'est parce qu'il y a un effectif bien connu, des noms prévu pour être là. Bon, et ceux-là doivent écouter l'évangile. Et ils doivent accepter. Alléluia. Amen. Et ils doivent faire partie de la bergerie de Christ. Et Christ va les conduire par son esprit. Alléluia. Amen. C'est son plan. Donc tu es dans ce plan. Acclame pour Jésus. Alors tu connais mes croix, si comme Jésus. Alléluia. Amen. Donc maintenant, apôtre Paul est en train de dire. Disons apôtre Paul. Sache que dans les derniers temps, tout le monde, il y aura des jours difficiles. À 100. Dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Et nous sommes dans ces temps difficiles. Regardez comment la criminalité a pris de l'ascension sur la terre. La criminalité, c'est que on ne peut plus dire. La méchanceté, on ne peut plus qualifier. L'animosité, on ne peut plus qualifier. La méchanceté, on ne peut plus qualifier. J'ai suivi dans la semaine quelqu'un qui a tué, je pense, sa femme, ou j'ai oublié, mais il a tué un proche. Il a découpé un morceau et il a mis sa viande en vente sur TikTok. Dans la semaine. Il met ça en vente sur les réseaux sociaux, sur TikTok. Aujourd'hui, vous allez voir des gens veulent se suicider. Il lance en direct sur Facebook. Pour que ses fans voient comment se suicider. C'est que le monde est devenu tellement insensible qu'on se dit, mais on dirait c'est l'eau qui coule dans le verre ou bien est-ce que c'est toujours le sang rouge? Ils ont cambio menino. Quand George et Caroline tombent, Abyssinie Caroline tombe. Vous savez pourquoi? En réalité, ils n'ont plus le sang 100% naturel. Donc nous gommons et surtout quand George parce que le sang 100% naturel que Dieu a mis en l'homme, il y a l'âme, il y a l'esprit de Dieu en nous. Donc quand George m'a ou surtout bientôt si la meilleure, Big Bob m'a ou ton. Mais aujourd'hui, l'ennemi a pris contrôle de la pensée humaine.
Et l'Esprit de Dieu, nous ne sommes plus, l'homme n'est plus sensible à l'Esprit de Dieu. La seule chose sur laquelle l'homme crache aujourd'hui sur la terre, quand ils entendent Dieu dans quelque chose, quand ils entendent le nom de Jésus dans quelque chose, mais tout ce qui est abominable, tout ce qui est ignoble, tout ce qui est répugnant, quand l'homme voit ça, Likez. Peuple de Dieu, le monde a quelle couleur aujourd'hui? C'est plus noir que le mot noir. Et la noirceur est épais. Je vous le dis en vérité. Ce que je vous dis, c'est ce que je vis, c'est ce que l'Esprit de Dieu en moi ressent. Je ne sais pas si vous ressentez la même chose. Notre seul espoir, c'est en Jésus. Ne comptez plus sur rien sur la terre. Rien. Même si tu es millionnaire, je te dis, tes millions, ne peuvent pas te sauver de la colère de Dieu à venir. C'est une colère ardente. Parce que le monde est pourri. Le monde que Dieu a créé est pourri. Je vous avais dit la dernière fois quand j'étais venu ici. Comment Dieu a regretté d'avoir créé l'homme. Et chaque jour, ce regret-là s'approfondit. Il cherche les moyens, les voies et moyens pour sauver l'homme un temps soit peu. Mais l'homme s'éloigne davantage de Dieu. Je vous le dis en vérité. L'homme abuse de la patience de Dieu. Et dans la patience de Dieu, dans le silence de Dieu, l'homme vient à conclure que Dieu n'existe pas. Alléluia. Amen. Parce que l'homme voit que malgré tout ce qu'il fait sur la terre, Dieu ne réagit pas. Quand Dieu réagit une seule fois, selon sa colère, combien font encore rester sur la terre? Quand il a réagi au temps de Noé, combien sont restés? Quand il a réagi à Sodome et Gomorre, combien réagit? Je vous le dis en vérité, en vérité. L'homme déteste de plus en plus Dieu et les choses de Dieu. Et ils excitent la colère de Dieu. Lorsqu'on forme un petit groupe de prière quelque part aujourd'hui, directement vous allez voir, les voisins vont commencer par crier: oh, vous criez trop, oh, vous nous perturbez, oh, on ne dort plus.
tolo minamo me lo haomele a dire kosuji eo mino damlo mi sono damlo mi sono damlo mais si c'est tu as payé ton ouvreur amo monu as chaque matin ou bien chaque soir aze kwebo ho alian twe tu mets ta musique dedans bon sansan anoto et tu mets chaque matin tu mets la musique moderne anoto musique a zoboriki as le pélager la vibreuse et il entend ça derrière sa fenêtre. Il se donne là-bas en train de faire comme ça. Mais l'auto nous photo ça et la vivre. Voilà ce que le monde est devenu, peuple de Dieu. Quand on parle de Jésus de quelque part, le cas de l'homme est troublé. À cause de l'incrédulité de leur cœur. À cause de l'iniquité. Parce qu'ils savent que le seul Dieu qui déteste ce que les hommes font sur la terre, les abominations de l'homme sur la terre, il s'appelle Jésus. Mais tous les faux dieux acclament. Je vous le dis en vérité. C'est pour ça que c'est seulement ceux qui portent le nom de Jésus qui sont persécutés sur la terre. Mais si vous adorez un autre Dieu, si vous commencez par adorer Allah, personne ne va vous perturber. Les gens auront même peur de vous. Parce qu'ils auront peur de bombes. Alléluia. Amen. Regardez, vous allez voir. Les musulmans peuvent se mettre n'importe où pour prier. Même dans les pays à majorité chrétienne. Ils peuvent barrer la voie quelque part, n'importe où pour prier. Et non, il y avait nos boali. Même devant ta maison, ils vont venir barrer la voie et prier là, si c'est là ils veulent. Et tu n'as pas le droit de leur piper mot. Si tu leur pipes mot, c'est que tu n'aimes pas leur Dieu. Et ils sont capables de te poignarder. Parce que leur livre a dit, celui qui n'aime pas leur Dieu ne doit pas vivre. Mais pourtant, les hommes les aiment, les acclament, et tout le monde est d'accord avec eux. Et quand tu parles d'eux, on va dire non, il ne faut pas parler des religions des gens. Bon, adore. Mais tous les gens sont libres de critiquer les chrétiens. Même quand tu pries en silence dans ta chambre, le voisin va aller porter plainte pour dire qu'il ne dort pas, il y a pollution sonore. Mais chaque matin, à 5h du matin, l'entonnoir des mosquées qui vont crier sur tout le quartier pour réveiller par force les gens, il n'y a jamais y a personne qui porte plainte. Surtout dans la période de Ramadan, tout le monde sait ce qui se passe. Personne ne porte plainte. Mais le chrétien qui prie en silence dans sa chambre, on dit qu'il perturbe. Peuple de Dieu, voilà à quoi ressemble le monde aujourd'hui. Les gens détestent la lumière et acceptent les ténèbres. Ils aiment les ténèbres parce que leurs œuvres sont des ténèbres. Le cœur est rempli de ténèbres parce qu'ils savent que quand les enfants de Dieu, quand on commence par parler de Jésus quelque part, on va commencer par dénoncer le péché.
il a dit ben on va commencer par parler de repentance. Il a donné les photos. On va commencer par parler de la vie que lui met en cachette. Il a dit besoin de il a dit il sait que quand on commence à prêcher la repentance quelque part. Et tout le monde dit mille votre jour, on va dire repentez-vous. Et alors mille votre jour. Effacez les images porno de vos portables. Mais sous il y a aucun double blé sous nos romains, on nous romène. Ah lui n'est pas encore marié. Mais d'ici donc il a pris les images porno comme sa femme. Où est-ce qu'il est? Il y a six tonneaux. Et chaque nuit lui doit se masturber avant de dormir. Bon, ça m'était bien. Et il a navigué de voiture normale. Et toi tu as pris micro pour dire que non, on n'a qu'à effacer ça. Donc tu veux que lui il repudie sa femme qui est sur son portable. Voilà pourquoi les hommes détestent les chrétiens qui disent la vérité. Et à cause de ce qui est caché en eux. Je vous le dis, si Dieu vous ouvre les yeux pour vous montrer ce qu'ils sont en cachette, vous allez pleurer pour les gens. Et la seule occasion que Dieu leur donne pour se repentir, c'est la prédication de l'évangile. C'est la prédication de la repentance. Mais ça les perturbe. Et ils considèrent cela comme un affront. Et c'est pour ça qu'ils sont obligés de nous détester. Alléluia. Amen. Peuple de Dieu, le monde me fait pitié. Et je me demande qu'est-ce qui va se passer encore. Si la trompette ne sonne pas dans 2 ans, dans 5 ans, dans 10 ans, qu'est-ce qui va se passer encore? Je vous le dis, nous sommes à la fin. Si tu ne sais pas, sache de cette nuit et prépare-toi à tout moment pour le retour de Jésus. Sonne donc, Jésus la trompette peut sonner à tout moment. Je vous le dis. Regardez le monde. La vitesse à laquelle le monde court. Android est sorti il y a combien d'années? Android. Le premier Android que tu as vu là. Nous quand on y a moyen. En quelle année? Qui va répondre? Mais là, il est là. C'est quelle année, Android? Il pouvait voir Android en 2000. Hein? C'est Abigail. Tu as une idée? Tu te rappelles? 2000 combien? C'est 2010, c'est ça? Au moins, c'est que 2010, je n'avais pas encore Android. Je me rappelle, j'avais un portable chinois qui a Gbadja, qui a des touches Gbadja comme ça. Donc, voilà. Hein? Voilà. Je me rappelle quand j'étais en terminale, il y avait les portables, il y avait Ericsson. Il y avait Nokia, il y avait Motorola, voilà, avec des sonneries. Et c'était cher. Vous nous, alors quand nous rencontrons toi et Léo, il fait quoi? Alléluia. Amen. Et les choses ont commencé par évoluer un peu. Bon, là, je nous dit. Un peu. Et Samson est rentré dans la danse. Bon. Ah, Samson. Avec les premiers. Android. Bon, miado. Android nous contourne. Petit à petit. Pédi. Et chaque jour, Galaxy 1, Aïe, Galaxy 2, Galaxy 3. Les S ont commencé par sortir. Les A ont commencé par sortir. Hein?
Et chaque mois, il y a une nouvelle, un nouveau modèle qui s'annonce. Les iPhone, les Nokia. Je vous dis en vérité, en vérité. Et doucement, doucement, portable est devenu ordinateur. Bon, alors, quand le portable, tu peux faire n'importe quoi. Peuple de Dieu, nous sommes à ce stade aujourd'hui. Et le monde tend déjà vers une autre dimension. Bon, les portables qui vont sortir désormais là. Bon, ce n'est plus portable, peut-être visible comme ça. Donc tu n'auras plus besoin de mettre portable dans la main. Mais peut-être tu vas ouvrir ta main seulement et taper comme ça et faire des opérations. Le diable veut rendre le monde. C'est que les gens vont penser que par la technologie, ils sont déjà au paradis sur terre. Bon, mon yade yade ton et egbe ti ton egbe di leyo. Mais là fait de l'eau. Pendant mon là on va faire le micro, c'est quoi? Ah, c'est une tromperie. Ah mon me blé blé kawe. Je vous dis, il y a un monsieur qui est sorti. Moi, je ne le vois pas comme un génie. Mais moi, je le vois comme un démon de chair qui a quitté une autre planète que les gens nous trompent. L'homme qui s'appelle Elon Musk. Je vous dis, c'est que tout ce qui est dans le monde astral, lui, tout ce qui est dans le monde astral comme technologie, lui, il est en train de tout convoyer vers la terre, sur la terre. Et les gens le voient comme le plus grand génie de la terre. Aujourd'hui, on le qualifie l'homme le plus riche de la terre, milliardaire en dollars. Et quand vous l'entendez parler, si tu as le discernement, tu sais que celui-là, ce n'est pas un être humain 100%. Quand il aborde les sujets de Dieu là, il déchire. Quand il entend le nom de Dieu là, c'est que ça l'énerve. Et c'est Mao, comme Mao ton et non d'autres. Ça l'énerve. Et non d'autres. Voilà. Et la fête de Halloween la dernière fois. Bon, il va s'habiller en Satan lui-même. Bon, et met la tête de Baphomet comme ça sur sa poitrine. Pour montrer que lui, il est pour Satan. Il est partisan de Satan. Et c'est cela qui développe les choses sur la terre. Bon, mais nous, Léo, il y a des nous, mais il y a des nous, avec Mandy. Et Satan fait des super génies et pour que les hommes puissent les convoiter. Bon, à ouvrir nos dons, les oui, mais bon, mais tous les gens, si vous voyez, bon, du loup. Et vous allez chercher à devenir comme eux. Bon, mais terminez, du loup, bâti, donc. Et le temps de devenir comme eux, bon, c'est que forcément tu dois rentrer dans leur connexion occulte. Tu dois accepter, renier Dieu comme eux. Et faire comme eux. Acclamer pour Satan comme eux. Pour aller en enfer comme eux. Peuple de Dieu, le monde est noir. Oui, à et vous blaguez.
Le monde est noir. Et c'est pour ça que la Bible nous demande de racheter le petit temps qu'il y a devant nous. Bon, et ouais, bon, hier, vraiment, on est bien mis dans le nous. Cet homme dont je vous parle ne sait plus quoi créer. Il ne sait plus quoi créer. Il va créer telle bombe. Il va créer telle voiture. Il va créer tel avion. Il va créer telle chose. Il veut sortir un portable maintenant. Et avec ce portable, tu peux même communiquer avec quelqu'un qui est sur une autre planète. Et déjà, des allo, camarades, si les potons du mot, à l'intérieur, avec ma diffio, à rien, à la doco, c'est de béton, et tu le béton à l'eau, fidez-vous. Qui est sur une autre planète si ce n'est pas son père? Mais, car si l'eau, fille mon coton, bon, nous, ma si, et ma y toton, le diable, à ouvrir, peuple de Dieu, ton marteau. Nous devons vraiment resserrer les rangs. Midona, tellement basso aïe. Apôtre Paul avertit Timothée. Apôtre Paul et sorti Timothée dans les derniers jours. Bodonido, il y aura des temps difficiles. Car les hommes seront égoïstes. Bon, Midkoro, ouvrez les mains. Les hommes seront égoïstes. Bon, Bethléo, goïna. C'est pas goï. Quand on parle de l'égoïsme, agade tchéjena bi. C'est différent de l'orgueil. Alléluia. Bipé pobla, padero. Bon, mieux m'y mets fier. Tu vois? Voilà, non, c'est si mieux encore. Alléluia. Voilà. Donc c'est pour lui ou rien. Et c'est l'égoïsme, l'ego, le moi. L'égoïsme et l'orgueil, c'est des jumeaux. Ils sont comme des jumeaux, mais ils sont pas 100% des mêmes choses. Et il revient quand il nous pour PPA. Alléluia. Amen. Les gens seront égoïstes. Mais Léo a badé Tchidjana Bissinko. Quand il fait affaire avec eux, à sortir de là, c'est comment faire pour que toi, Léna Blogumo, toi tu perds. Et que eux, ils gagnent. Ça, c'est l'égoïsme. Alléluia. Amen. T'es maillon, mais ton maillon, si pour lui ne marche pas là, et ton maillon, pour les autres ne marcheront pas. Vous mettez des boutons là, ya. Les hommes sont comme ça aujourd'hui. Et ils sont prêts à casser tout s'ils voient leur intérêt menacé. Bon, il y a un peu de temps, puis bada. Bon, il y a ton manabi à Djenweyo. Ils sont prêts à renverser même l'église. S'il y a un égoïste dans une église, ils sont prêts à saccager l'église s'ils voient son intérêt menacé. Beto a badi tijanabino, et dans la goume. Bon, et ton manabi à Djenweyo. Et le bruit à Djenweyo de Ouzou. Oh, la Bible nous dit. Chacun de nous, au lieu de chercher son propre intérêt, il faut qu'il cherche l'intérêt des autres. Il faut que chacun cherche d'abord l'intérêt des autres. Et nous devons chercher l'intérêt de Dieu. Alléluia. Mais aujourd'hui, chacun d'abord cherche ses propres intérêts. Et le mort est guidé par l'intérêt. Hey! L'intérêt. Peuple de Dieu,
Nous devons faire ton. Attention à l'esprit d'égoïsme. Et cet esprit opère aussi dans l'église. Et nous devons travailler pour le chasser de l'église de Christ. L'égoïsme n'a pas sa place au milieu des enfants de Dieu. Alléluia. Amen. Continuez. Amis de l'argent, fanfaron, hautain, blasphémateur. Amis de l'argent. Alléluia. Amis de l'argent. L'argent. À quoi? L'argent aujourd'hui est le dieu des hommes. Maman. Et juste pour de l'argent, les gens sont prêts à tout. Ils sont prêts à tout. Juste pour gagner de l'argent. Regardez ce que les gens, l'argent va pousser des gens à aller faire à Dubaï. Ouvrir sa bouche qui mange de la nourriture pour aller prendre de n'importe quoi, de n'importe quoi d'un autre individu. Pour toi-même là, c'est pas facile, même de l'odeur, même quand tu te lèves là, c'est que tu coupes d'abord ta respiration. Pour toi-même. Oui, il est sous ton. Pour toi-même. Oui, il est sous ton. Chaque fois. Aïe, tu coupes d'abord ta respiration. Et à mon quand tu te lèves. Assis tableau. Pour aussi tes fois. Et à Roulin, tu allons. Maintenant, tu vas aller ouvrir ta bouche. Absorber l'odeur. Et maintenant, avaler ça solidement. Et ça va rentrer dans ta gorge et rentrer dans ton ventre. Parce qu'on t'a dit, tu vas prendre ces 4 millions. Regardez comment. Les hommes, c'est que faire pacte avec le diable aujourd'hui, ce n'est plus non. Aller signer un papier, non. Ça, c'est déjà un processus long. Et me dis, quand tu as et c'est que vendre ton corps en life physiquement pour prendre l'argent. C'est ça ce que ça veut dire. Parce que ceux qui te font ça, ceux qui font ces choses-là, l'alliance qu'ils ont tissée avec le diable, allez nous aider et nous rauvio. Pour que cette alliance perdure, bon, allez nous aider et ainsi nous con. Il faut que ils font ces choses là avec des gens. Ils ont appelé mon coton les ramener les voler. Pour payer leur âme. Vous avez suivi sur les réseaux sociaux des filles qui sont allées à Dubaï pour aller faire ces choses là. Bon, mon les dit. Plusieurs sont morts. D'autres sont devenus folles. Pourquoi? Parce que tu es vivant comme ça et tu offres ton âme. C'est fini. L'argent là va leur servir à quoi? Certains vont regarder à. Et avec ça maintenant, je vais payer voiture que personne n'a jamais vue. Je vais faire ci, je vais faire. Ça va servir à quoi? Mais c'est non lié. Donc, on y a quoi les gens? C'est comme tout et mais maman pour moi. Et que t'es mais Canada, t'es ligne ou Canada ligne. Je vous le dis en vérité, madame Bonomi, ne rêvez pas sur cette terre. Mais ma coup d'oeil avec mon audio. Que la Bible nous dit, si nous trouvons à manger et nous trouvons à nous vêtir, que cela nous suffise. Yeah oui madame Milo. Je vous le dis en vérité, si tu veux conduire le véhicule le plus cher que tu as trouvé sur Facebook, sache que tu es une potentielle
cible du diable. Pour l'Emi Betoba a ouvert mi moi. Parce que quand tu vois les choses qui brillent, comment ton cœur commence pas à battre là, il le sait. Lui, il fait publicité. C'est pour ça que vous allez voir dans les clips, même des artistes qui n'ont pas facilement 5000 francs proches, vous allez les voir faire des clips avec des véhicules de 100 millions. Et vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit que c'est l'esprit de la convoitise. Mais nous, et donc, quand tu sais que toi, tu vas voir ce clip là, ça va te plaire. Ça va te plaire. Et tu vas chercher comment faire pour conduire de tels véhicules dans ta vie. Et c'est comme ça. Des propositions. Même sur Facebook, là, ils sont pleins. Ils cherchent des clients pour le diable sur Facebook. Des gens vont même t'écrire en inbox. Mais tu vois, tu veux être riche. Hein? Tu veux être riche. Qu'est-ce que tu veux? Hein? On va t'aider. Je vous dis, c'est la mort. C'est l'enfer. Si tu le fais, tu as pris. Et vont venir. Beaucoup l'ont tenté. Mais qui essayé, pour eux. Bon, et vont venir. Je vous dis en vérité, Madame Gourmi. Je vous le dis. Madame Gourmi. Je tombe sur certaines publicités ces temps-ci là. Où on dit tu portes seulement la bague et toutes les portes s'ouvrent dans ta vie. Une bague chinoise. Ils sont en train de faire la publicité sur Facebook. C'est que je vous dis, je ne sais plus quoi dire. Pour que vous compreniez. Je vous dis, c'est que toutes les boutiques de Satan sont aujourd'hui ouvertes. A ouvrir le Satan est bien ouvert. Pour acheter, pour vendre quoi? Bah ça a été. Pour vendre des pourritures de l'enfer. Bah ça nous ignorons. Zoomatimele. Pour acheter quoi? Bah on était les arbres. Les arbres. Allez dans les arbres, je vous dis. C'est ça que lui, ça le préoccupe. Si on vous dit. On vous donne l'estimation d'une seule âme. Bon, il y a rien à nami. Ça coûte plus que tous les dollars qui peuvent être remplis dans une banque aux États-Unis. Et Rougan, à quoi est-ce à quoi c'est quoi? Je vous dis, c'est pour ça que pour une seule âme, le diable est prêt à investir tout ce qu'il a. Mais Jésus-Christ a investi le plus grand prix. Acclamé. Amen. Jésus-Christ, et est soit comme d'accord. Le prix que Satan ne peut jamais payer, rembourser, il ne peut pas. Ahoy, a oublié ma il ne peut pas. Et s'il soit, il ne peut pas. Et s'il soit, lui, il a des dollars en métal. Et il est où, à quoi? Périssable. À quoi, réon? Mais Jésus a payé à mon Jésus avec une monnaie qui ne peut jamais périr. À quoi est-ce que son sang. Amen. Alléluia. Amen. C'est pour ça que vous devez considérer ce salut que Jésus nous a accordé. Jésus t'a accordé. Tu dois considérer ça. C'est que avec un grand soin. Et où est-ce que tu dois garder ça en sûreté. J'ai tellement pitié pour des chrétiens
qui pour des histoires farfelues jettent leur salut par le, la fenêtre. Et non, là, nous, 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 pour des histoires. Des gens disent non, je ne veux plus venir à l'église. Les gens n'aiment pas les gens. Les gens ne sont pas gentils. Tu penses que Satan est gentil? Mais là, il y a avec le Satan à Ovio et un commercien. Hein? Et tu vas aller dehors. Bon, parce que les gens ne sont pas gentils. Bon, en attention à moi. Les gens n'ont pas l'amour. Hey! Est-ce que c'est l'amour des gens qui t'a amené à Christ? Ou bien c'est l'amour de Christ? Moi, je me ton à Jésus. Alors, moi, Jésus Christ ou ton souhait. Alléluia! Tout le monde peut te détester dans l'église. Tant que Jésus ne te déteste pas, toi, tu restes. Mais rien à faire à Goumé. Jésus est mon père, oui, pour finir. Et toi, dis non, je vais faire mon culte à la maison. Bon, je vais chercher mon intimité avec mon Dieu. Ouais, alors, eh, oh, ma bonne, on peut je vais prier seul. Je vais adorer seul. Marcher seul, c'est pas facile. Zouzoni, zouzou, mais le pauvre est femme. Quand on est en troupe, bon, il est le pauvre. Si l'autre, un peu, la vie n'est pas. Il a dit fortifie-toi. Bon, nous menons. Et avant qu'on me crie, on a deux grands amenis. Pardon, Wami, 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 Wami. Pas deux grands amenis. Sois fortifié. Pas deux grands amenis. Ça va aller. Mais tu es seul. Tu es seul. Tu veux combattre le péché. Seul. Pas quel moyen. Hein? Tu n'as pas quelqu'un qui va te fortifier. Qui va te donner du tonus. Mais debout, pas deux grands amenis. Oui. Tu vas commencer, je te donne même un mois, c'est beaucoup. Tu vas voir commencer par que tu vas voir que ton zèle va commencer par baisser. À la mode, à papa de la main, oui, et là, il est podi. Peuple de Dieu, ton combat autant persévérer encore. Persévérer encore. Jésus voit vos efforts. Jésus Christ. Mais il veut voir encore. Et il ne nous laisse pas seul. Et il ne nous laisse pas seul. Et il sait ce que nous souffrons. Et il sait que bientôt nous allons habiter avec lui. C'est pour ça qu'il dit celui qui vaincra. Et ouais, je vais le faire asseoir. Na souhait trop. Na souhait Dijon. Alléluia. Eh, ne c'est pas n'importe quel trône, hein? Le trône de Dieu. Mausito. Ah, et tu vas t'asseoir sur ce trône. C'est que je dis que c'est pas n'importe qui. Et il m'a dit pour moi, mais. Ah? Combat à mon foufou, c'est pas n'importe qui est et il m'aide pour moi. Celui qui va vaincre et qui va s'asseoir, mais il a nous dit, Batijan à côté du roi des rois, nous à cause les ton pas. Hey! Ce qui veut dire que lui-même reconnaît que le combat est rude et ouais, il est sous pour l'eau. À point foufou, d'accord, le combat est rude. À point foufou, mais avec lui, à mon moyen pour nous vaincrons. Amen. Et nous sommes plus que vainqueurs. Amen. Il suffit que nous soyons droit devant lui. Mais non, nous marchons dans ses pas. Alléluia. Amen. Ne pas céder aux pressions du monde. Alléluia. La dernière fois, nous avons suivi à Clavi le témoin de la sœur Abigail. Ça sonne dans mes oreilles. On va bien préparer ça. Tout ce qu'elle a perdu pour Jésus. Nous dévouer un rebout de Jésus. Alléluia.
tout ce qu'elle a accepté perdre. Nous débrouillons à cause de Jésus-Christ. Jésus-Christ, oui. Parce que Jésus a tout perdu pour elle. Jésus-Christ, qu'est-ce que toi tu as déjà perdu? Tu as perdu quoi? Juste vous donner, c'est ça? Simplement, tu penses que c'est tu as perdu ta beauté. Bon, vraiment, tu as perdu. Tu ne portes plus les choses ceci. À son dos, et tu penses que tu as tout perdu. Les hommes ne vont plus s'intéresser à toi. Quand tu t'habillais en ceci là, est-ce que les hommes ont pu te marier? Alléluia. Amen. Si s'habiller ceci peut aider facilement à se marier, bon, nous en sommes pas ça maintenant. Le roi et un zombo et la moins soit alléluia. Toutes les filles de Jonke seraient déjà mariées. À galeton Jonke, ton lèvre bien et bien à moi souda. Vas-y là-bas, les rats sonner. Tu vas les voir debout comme I au bord de la voie. Ils ont débordé Jonke, maintenant ils sont à Gbegamé. Ils ont débordé Gbegamé, maintenant ils sont au stade de l'amitié. Même dans ma vente à Godomela, je vous dis, c'est marché, c'est Khayala. Et mettre les fesses dehors. Alléluia. Amen. Cache ton corps, Jésus va te donner l'homme selon son cœur. Alléluia. Amen. Celui qui crée son nom là, mais non dit que signe ton yo, il va te trouver belle dans ton dépouillement. Et na moiro allons des peines, nous découvrons tu yo. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Peuple de Dieu, togu maouton. Nous sommes à la fin des temps, Nicolo. Et il y a beaucoup de choses que nous devons dire. Mais l'essentiel qu'il faut retenir, à mon commun clément noé, dire qu'à la soie, mettons les dieux, gardez votre cœur attaché à Jésus. Mais so aïe mettons le Jésus. Que votre cœur soit attaché, collé, soudé. Blindé. Si Jésus. Jésus. Ne permettez pas que ça se décolle. Mais malheureusement, aïmitoni gosi Jésus. Si ça se décolle, c'est grave. Aïmiton gosi Jésus. Alléluia. Amen. Si ça se décolle, c'est grave. Aïmiton Jephonu Jésus. Parce que il pleut dehors. L'ennemi cherche qui il va capturer encore. C'est pour ça que il a lancé toutes les attaques contre ce réveil. Parce que en ce temps de la fête, le seul mouvement chrétien suscité par le ciel qui s'est engagé corps, âme et esprit pour l'évangélisation, qui dit que les âmes doivent aller au ciel et qui prêche la sainte doctrine avec marteau et l'enclume. Alléluia. Et qui exige la pratique de la sanctification totale. C'est le groupe Jésus revient. Jésus revient. Alléluia. Vous pouvez voir, il y a plein de mouvements. Hein. Peut-être ils sont dans le dépouillement. Mais il doit manquer quelque chose.
amon, nous de na wedoye jwen. Il doit manquer quelque chose. Nous de na wedoye. Mais ce réveil amon vos fond est au complet. Pas clap pour Jésus. Alléluia. Aujourd'hui même, il y a un frère qui m'a envoyé un message. Dieu, je veux comprendre. Nos vidéos, c'est nous, c'est domi. Ah, dans mon église, c'est domi. Je vois que les gens font les choses comme vous. Ils sont dans le dépouillement. À goûter, mais on n'a pas de mêlée. Ils prêchent. Ils prêchent. Un peu comme vous, ils évangélisent. Mais ce qui me paraît bizarre, à moi, nous n'avons pas de chanier. Même là-bas, même, on voit qu'il y a des mouvements spirituels, il y a des prophéties et tout ça. Mais quand l'esprit se manifeste, l'esprit se présente sous forme de Jéhovah. Alléluia. Amen. Regardez. J'ai eu pitié de lui. J'ai dit, mon frère, sois fortifié. Non, vite. Mon gant, il. Alléluia. Amen. Je vous dis, beaucoup chercheront à y entrer, mais ils ne pourront pas, malheureusement. C'est une grâce, c'est ce que je lui ai dit. C'est une grâce que le Seigneur a fait. Fais-nous le groupe Jésus revient. C'est une grâce. Fais-nous un bon maou, nous, beta, Jésus revient. En nous révélant la sainte doctrine. Les gens ils vont parcourir. Ils verront que Jésus revient là. Il y a quelque chose que je n'ai pas trouvé là-bas. Mais là, il a moyen d'amour. Jésus revient. Ceux qui vont quitter ce bateau là. Ah, j'ai pitié pour eux. J'ai pitié pour eux. Nous étions là. Je vous dis, j'ai pitié pour eux. Parce que les choses ne sont pas comprises ailleurs. Donc nous l'ayons. Alléluia. Amen. Je ne dis pas que nous sommes les meilleurs. Mais c'est Jésus qui est meilleur dans le groupe Jésus. Jésus est le meilleur dans le groupe Jésus. Alléluia. Amen. Si les gens lui ouvrent la porte ailleurs, il va être le meilleur en eux aussi. Et il va leur révéler les choses cachées. Je vous ai déjà donné Mon enseignement sur comment j'ai découvert la supercherie du nom Jéhovah. Et j'ai chassé plusieurs fois le démon Jéhovah. Mais jusqu'à aujourd'hui, les gens continuent de l'adorer dans des églises même qui prêchent la sanctification. Qui, si vous adorez Jéhovah quelque part, l'esprit va se manifester pour dire ainsi parle votre Dieu Jéhovah. Parce que c'est lui que vous adorez là. Même des grandes églises de dépouillement là, ils sont dans ça. Je vous dis, non des moindres. Je vous dis la vérité. Non des moindres. Mais ils sont dans cette erreur-là. C'est le Seigneur Jésus seul qui peut traiter leur cas. Mais toi, le Seigneur t'a fait grâce. Et tu es dans le 100%. Alléluia. Amen. Tu es dans le 100%. Alors, boutez-vous, amen. Il n'y a pas une virgule qui manque quelque part. Debout, rendez-moi. Il y a tout. Nous, buvez des mains. Alléluia. Amen. Et comment les gens peuvent quitter cette bac? Bon, n'est-ce les canards. Pour aller où? À Clonyomé. Bah, il fitait l'eau. Hein? Pour aller où? Bah, il fitait. En ce moment où il y a la tempête. Oui, oui. Et tous les bateaux, l'ennemi est en train de faire chavirer tous les bateaux
qui sont flottants. Bon, oui, oui, j'aurai dit, clogue, gédé, bon, ton, ton, oui. Vous allez quitter le bateau qui est conduit par le capitaine des capitaines. À Chloé, Jésus. Je ne veux pas être à votre place. Alléluia. Alléluia. Amen. Persévérez encore. Fortifiez-vous, fortifiez-vous, fortifiez-vous. Même si c'est difficile, demandez le secours du ciel. Dis Seigneur, viens à mon secours. Viens à mon secours. Même si la famille vous rejette. Sachez qu'ils ont rejeté Jésus pour vous. Mais tout le monde est désolé pour. Alléluia. Amen. Si votre mari vous rejette, assumitons et demi. Si tes parents te rejettent, mais tu les deux. Sachez que les gens ont abandonné Jésus à cause de toi. Tout le monde est désolé. Donc si tu es dans la vérité, c'est normal que tout cela t'arrive. Et nous, c'est même un signe que tu es dans la vérité. Nous mon quand on est là, ah oui, on a déclaré donc à nos bourgeois nous. Parce que Jésus a dit, Jésus de Soudan, heureux serez-vous lorsque les gens vous traiteront avec toutes sortes de persécutions. Il y en a nous un ami, on nous met les il n'a ça à témoigner nous mieux. Réjouissez-vous car vos noms sont écrits dans le livre de vie aussi. Mais d'avoir jamais. Donc, comme ils ont les nuits là. Mais si les gens vous acclament, avant mais alors qu'on nous mieux. Si tu adores Jésus et les gens t'acclament. Alors Jésus c'est vrai. Bon mais alors qu'on nous mieux. Les gens t'acclament. Mais alors qu'on nous mieux. Les gens t'acclament. Les gens disent oh vraiment oh. Mais alors qu'on nous mieux. Bon le pas nous mieux. Pose-toi la question. Quand bien oui. Alléluia. Amen. Les gens qui sont dans le catholique. Mais le catholique. Tu n'auras aucune persécution. Personne ne va te persécuter. Mais il y a ça à nous. Tu fabriques ta statue de Vierge Marie. Oui, le soir, tu es pas vite. Tu t'agenouilles avec ton chapelet. Personne ne va te persécuter. Mais il y a ça à nous. Ton papa même va t'encourager. Tu seras son enfant chéri. Toi, tu es le soir, pas benoué. Parce que tu es dans le faux. L'esprit de fausseté gouverne le monde. Big Bob, Manuel, ton Big Baton, et le Patien, Big Bob, go. Big Bob, go. Ça gouverne le monde. Et le Patien, alléluia. Amen. Il y avait quelqu'un dans mon village. Mais nous, il est un grand féticheur. Et yo, beaucoup d'en d'ahoué. Mais il a fait baptême catholique à tous ses enfants. Et quand il organise cérémonie pour ses fétiches, en même temps, tous ses enfants vont au couvent. Pour faire encore fétiche. Alléluia. Amen. Et quand lui-même meurt, on va lui faire cérémonie et d'abord à l'église et puis voilà. Et la soeur, c'est comme ça, ça se passe. Et quand c'est comme ça, tout le monde va t'aimer. Tout le monde est d'accord. L'esprit de fausseté gouverne le monde. Et nous, on va résister contre cet esprit. Mais je refuse la compromission. Amen. Je refuse le mélange dans ma vie. C'est la prière que tu vas te lever, commencer par faire. Je refuse toute compromission avec le monde. Allez-nous debout. Et allez-nous rappeler. Seigneur, maintiens-moi. Maintiens-moi dans la vérité. La vérité authentique. Seigneur, maintiens-moi. Je veux,
Seigneur, donne-moi la force. Le chemin. Avec toi, j'atteindrai la destination. Pendant que moi, Jésus, j'ai fierté. Je ne sortirai jamais de ta barque. Na gosia, pro tourne point. Seigneur, attache mon âme à toi. A pro la alique de terreau foué. Seigneur, donne-moi le dégoût des choses qui brillent dans le monde. A pro noué le pire le fermé le Seigneur, fortifie-moi. Accroche d'autres gars là, Menoumi. Fortifie-moi sur le chemin. Accroche d'autres gars là, Menoumi. Tu es la sécurité de mon foyer. Oui, protège mon foyer contre
contre l'esprit. Tu as le point de te dire, protège mon foyer contre la maladie. Libre-nous, point de te. Protège mon foyer contre la mer, la mort prématurée. La guerre. Azoméo, Koumala, Azoméo. Éloigne la maladie de mon foyer. Azoni, Zonoui. D'ailleurs, tu es mon protecteur. Oui, mais tu as le point de te dire. D'ailleurs, soutiens-moi. Accrochons. Donc, à la mer, Jésus, soutiens-moi. En cette période où le diable est en train de manger les enfants du monde, à Ovion et au Bébonou, d'ailleurs, protège tes enfants de Jésus revient. Accrochons, tu as l'envie, Jésus revient dans les dix. Protège tes enfants. Tu as l'envie, Jésus revient. Tu as l'envie, Jésus revient dans les enfants de Jésus revient. Vite debout. Vite, Jésus revient ton démon, qu'il porte ton sang. Mais alors tu es l'ailleurs de marque l'air de ton sang. Il est à Coulon. Où tu es dit, nous est dit. Marque l'air de ton sang. Où tu es dit, nous est dit. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Au nom de Jésus, si, comme Seigneur, Dieu d'Abraham, Dieu très très saint, Papa, merci pour ce moment d'exhortation. Seigneur, je sais que ton peuple a encore reçu quelque chose de nouveau. Moi aussi, j'en ai reçu ma part. Seigneur, je veux te dire infiniment merci. Grand Dieu, grand roi, Papa, tout ce que tes brebis ont reçu, que cela soit gravé dans leur cœur. Amen. Cela soit gravé dans leur âme. Amen. Ne permets pas que l'ennemi vienne arracher ça de leur cœur. Amen. Seigneur, soutiens-les. Amen. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Amen.